Salut tout le monde, ici Willou, alors bienvenue dans une autre vidéo. Alors, on se retrouve pour l'épisode 6 de Minecraft. Alors, dans le dernier épisode, on était rendu, on avait trouvé un magnifique village dans le désert. Fait que je suis encore là. Et on s'avait dit également qu'on allait modifier un peu, on va faire un peu le boss, le roi de la ville. Fait qu'on va faire un peu du ménage, on va aménager, mais aussi on va un peu... dans chaque maison, on va tout mettre, exemple, des tables de craft, des fourneaux. Fait qu'on va tout modifier ça dans l'épisode, cet épisode-là, aujourd'hui même. Fait que je pense qu'on va commencer à modifier les portes, les cadrages, tout ça. Fait que on va prendre une maison. Comme ici, là, tu sais, juste ici, là, il n'y a pas d'escalier pour rentrer dans la maison. Fait que c'est ça qui est chiant. J'ai trouvé que le dernier épisode, je sais pas si c'est moi, mais ça buguait vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Je trouvais ça un peu inquiétant. Ça buguait autant que ça. Dans cet épisode-là aussi, on va parler de différentes choses, comme, tu sais, j'ai perdu un proche, c'est quand même assez triste. Je me suis dit, tu sais, ça arrive à tout le monde, perdre un proche, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal, je vous l'avouerai. C'est pas nécessairement pour être méchant, mais tu finis par penser à d'autres choses. Tu sais, oui, j'étais encore traumatisé, c'est terrible, là, tu sais, perdre son oncle de même un jour ou l'autre, puis il avait genre juste 58 ans. C'est assez jeune. J'ai été traumatisé pendant un bon bout de temps. Puis c'est encore de même, encore aujourd'hui même. Je me suis rendu compte que j'ai genre perdu mon lit. Ça me fait chier parce que je pourrais pas dormir. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je pense que... je vais essayer de me crafter un lit. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Ok, fait qu'on dort pour pas que les monstres viennent nous hanter. On ramasse le lit et voilà. Fait que non, fait que c'est vraiment plat. Tu sais, sur le coup, t'es traumatisé. Tu sais, je suis encore de même. Je suis encore traumatisé aujourd'hui, là, mais... Ça va vraiment plus mieux que du moment que j'ai appris la nouvelle. Puis un peu comment ça s'est passé, j'étais encore traumatisé, puis j'y pense encore. Je pense que je vais me rappeler toute ma vie comment ça s'est passé. Quand j'ai reçu la nouvelle, c'était vraiment assez difficile à avaler. Tu sais, tu croyais pas sur le coup, j'y crois pas encore. Mais tu t'en remets, tu sais, j'aurais envie de dire, puis pas être nécessairement méchant, puis je veux pas paraître méchant. Tu sais, c'est mon oncle, puis que c'est mon oncle d'amour. Mais je me dis, je me suis pas vraiment arrêté à ça, puis à pleurer, puis pleurer, puis pleurer, puis pleurer, puis tu sais, à toutes les maudites journées, là, je me suis pas arrêté, on va dire ça de même, arrêté juste à ça, puis de pleurer à tout le temps, tu sais. Il est en train de, tu sais, ça se passait, c'est fini, là, mais tu sais, ça fait un petit bout de temps que c'est fini, là, que mon oncle qui est mort, mais... tu sais, on faisait la préparation voyons, je trouve plus de mots. Du service à mon oncle, c'est ça que je voulais dire. Du service à mon oncle, tu sais, on préparait tout ça. Fait que, mais tu sais, j'attendais des nouvelles, puis où que ça se passait, où que ça se passait, tu sais, puis comment que ça allait se passer, tout ça. Fait que bref, fait que ça a été comme du stress par-dessus l'autre, puis ça a été très dur puis très long pour moi. J'étais déjà assez stressé de même que là, ça m'en a rajouté une couche de plus. Fait que ça a pas été vraiment super le fun. Et j'ai pas digéré ça beaucoup encore. Tu sais, honnêtement, quand que mon oncle est mort... Oh, il y avait déjà une table de craft. Je me suis trompé. Par exemple, il va en avoir une de plus. Mais il est mort en fait, il souffrait pas, en fait. C'est pour ça que ça, je vous dis, là, c'est encore plus triste. La façon qu'il est mort, c'est que... En fait, il est mort de comme ça. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cancer. Il est genre mort de même. Fait qu'on n'arrête pas de dire que c'est une belle mort. C'est vrai, c'est une belle mort, mais d'un autre sens, c'est triste en tabernique parce que tu te dis, t'avais rien. Puis en plus, il venait juste de passer un test de médical pour voir comment ça va, sa santé, tout ça. Il est mort, vierge. Tu te dis, tabarnak, il n'y avait rien. Tout était beau dans son dossier. Tout était numéro 1. Il était en pleine forme, en pleine santé. Puis... il meurt à 58 ans. Très jeune, puis très... ouais, il était très très jeune, honnêtement. 58 ans, c'est très jeune quand même. Mais tu sais, il y en a qui meurent plus jeune que ça quand même. Mais 58 ans, puis t'es en pleine forme, c'est triste en esprit. Là, avant de continuer ma discussion, je suis en train de me dire, là, j'ai plus rien à faire, là. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des matériaux, puis je vais me crafter des coffres. Toutes sortes de petits matériaux. Bon, fait que bon retour tout le monde. Fait que là, je suis allé crafter un petit peu. Ça a été un peu long, je sais. Mais ça n'a pas apparu dans mon montage parce que je fais du montage. Fait que là, j'ai été crafter des coffres,
Les quoi? Les stands. Et c'est bon, c'est en anglais, ça? Des bibliothèques aussi. OK? Fait que, on va tout de suite mettre des coffres. Hein, puisque des coffres, c'est quand même assez utile. Fait que c'est ça. Fait que c'était quand même un gros choc. Et c'était dur à avaler que savoir qu'il est mort. Parce que la façon, tu sais, je l'expliquerai pas tout en détail comment on l'a su quand il était mort. C'est... Puis je veux pas en reparler parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais c'était vraiment tough à avaler. Tout le monde est parti à pleurer en même temps. C'était comme une grosse catastrophe. On s'entendait jamais à ça. On pensait tout qu'il allait s'en sortir. Vivant, en fait, vivant. Et non, il est mort. En tout cas, c'est triste vraiment. Mais tu sais, ça fait un petit bout de temps. Fait que, tu sais, on pense à d'autres choses. Puis, Master, ça va un petit peu mieux. Mais on y pense vraiment beaucoup encore. Puis, c'est comme un peu normal. Hein? C'est un petit peu normal. Il fait partie de la famille. Puis, en tout cas, ça a été vraiment tough. Et deuxième sujet que je voulais vous parler. Ben oui, je voulais vous parler que je m'entraîne à cette heure la semaine. Mais là, tu sais, avec le tu sais, quand pendant que mon... j'ai-tu une maison, moi, là? Attends, j'ai-tu fait ici? Non. Oh, j'ai fait aucune affaire ici. J'ai complètement oublié la maison ici. C'est pas grave. C'est pas grave, toutes les autres maisons sont faites. C'est ça, mais j'ai pendant que mon oncle, tu sais, on a les funérailles, les affaires de même, le service, je me suis pas vraiment entraîné pendant la semaine quand ça s'est passé. Je me suis pas vraiment entraîné, je vous avouerai. Parce que, tu sais, j'ai été vraiment triste, j'étais comme en... On va dire en dépression. J'étais traumatisé, honnêtement. Puis c'est comme normal, pas mal. Mais c'est ça, mais là, je recommence. Ça fait un petit bout de temps que j'ai recommencé. Ça va bien. Je recommence à 9, puis à 0, puis... je recommence à m'entraîner. Je pense que ça va faire du bien. Que tout le stress que j'ai je vis. Je vis depuis longtemps à cause de mon oncle. Puis tu sais, quand je dis à cause, c'est pas pour être méchant. T'sais, c'est juste que c'est ça que ça a donné. Puis c'est de même que ça a donné. Fait que c'est pas si grave que ça. Mais c'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. J'ai arrêté ça à cause que c'est justement mon oncle. T'sais, c'est ça qui est arrivé, hein. Mon oncle est mort, puis ça me tentait pas vraiment d'aller m'entraîner. C'est ça, mais ma motivation est pas à 100%, fait que c'est comme normal, tu sais, que je m'entraîne pas, puis que j'ai comme... Puis, qu'est-ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un bout de temps que j'avais complètement oublié de m'entraîner, pendant une semaine. Fait que là, le monde me dit, voyons, William, quand on veut s'entraîner, puis qu'on veut vraiment s'entraîner, on n'oublie jamais de s'entraîner, vierge. Mais oui, j'ai oublié complètement de m'entraîner. Faut croire que j'avais une semaine chargée, fait que c'est pas si grave, mais qu'est-ce que vous voulez. Fait que c'est ça, mais j'ai été comme dans une semaine, pendant une semaine ou deux là, environ, là, j'ai été vraiment bouleversé, déprimé, traumatisé, toutes les choses que tu veux plus revivre, vous comprenez genre. Fait que non, c'était deux trois semaines environ de merde. Mais c'est. Faut que tu passes par là. Puis, à quelque part, tout le monde va y passer à un moment donné, hein. Ça, je vous le cacherai pas, là. Tu sais, t'as bien beau de t'être traumatisé encore. Puis de dire qu'il aurait jamais dû mourir. À quelque part, c'est certain qu'il allait mourir un jour ou l'autre. On va tout y passer. Même moi, même vous, à la maison, ceux qui m'écoutent. Mais, tu sais, comme vous dites depuis tout à l'heure, là, on s'entendait jamais, mais vraiment pas à ça, là. On était tous assez surpris. Et assez attristé, là. Puis ça, tu sais, je ris, mais c'est comme un peu normal parce que je suis dans mes pensées, puis je me suis dit, Colin, c'est comme ridicule. Attends, j'ai-tu vraiment mis mon lit? What the hell? Je vais garder tout de suite mon lit avec moi, hein. Je pense que je voulais plutôt mettre une bibliothèque, mais j'ai été déconcentré, j'ai mis un lit à ta place. Là, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de vérifier toutes les autres maisons. Toutes les maisons dans le village, si j'ai rien oublié. Mais tu sais, la maison ici, là, j'ai oublié. C'est pas grave, je vais en faire plus tard. Fait que non, vraiment, c'est ça. Fait qu'on va s'arrêter là, guys. J'espère que ça vous a vraiment plu, cet épisode-là. C'était quand même un épisode assez chargé en émotions et en bon sujet, honnêtement. J'ai d'habitude, dans tous mes autres épisodes, j'avais jamais de sujet à vous parler. Mais honnêtement, je pense que ça fait du bien de vous en parler, de mon sujet. Puis je pense que ça a fait un très, très beau sujet à parler dans un épisode de Minecraft Relax. Fait que vraiment, j'espère que ça vous aura plu. On a été dans un épisode de Minecraft assez, productif. On a décoré un peu les maisons. Puis je suis vraiment fier. Fait que, mais tu sais, dans le prochain épisode, je pense que on va
encore puis encore rajouter des trucs dans la maison parce que t'as tellement de trucs là, que tu peux rajouter comme tu préfères une salle de bain, rajouter des lits, des affaires de même. Fait que je pense qu'on verra ça dans un prochain épisode. Fait que d'ici là, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un beau like, abonnez-vous pour ne rien manquer mes autres prochaines vidéos bien sûr. Partagez-moi un grand nombre de cette vidéo-là. Et sinon, on se laisse pour notre prochaine vidéo tout le monde. Bye bye! Bon, fait que, gars, ça a été une vidéo productive. Bye!